La mort surprenante de Maître Salifou Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, fait réagir des acteurs de la société civile guinéenne. C'est le cas du docteur Dansa Kourouma, qui fut d'ailleurs un des amis proches du défunt. Je retiens de lui un homme patient, sage, calme et respectueux. Ce sont des qualificatifs qui ne tombent pas du ciel. Toutes les personnes qui ont connu Maître Kébé ont témoigné ça à son égard. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'intensité des choses, il est parvenu à garder son calme et il a toujours réservé à son interlocuteur un respect religieux. Alors, je suis personnellement attristé, je suis peiné, mais sa famille biologique, sa mère, avec qui il avait des grandes complexités, son épouse et toute sa famille, qu'il retrouve à cela toute ma, dans ce message toute ma compassion, je prie Dieu qu'il l'accueille dans son paradis. Amen. Le décès de Maître Salifou Kébé intervient à un moment où son institution est au cœur de toute division en Guinée. Dernier coup de théâtre, l'organisation chaotique des élections législatives et référendaires du 22 mars 2020. Devant cette crise sans précédent, le président du CNOX est partagé entre inquiétude et espoir. Le contexte ne s'y prêtait pas à la disparition de Maître Kébé, pour être franc. C'est arrivé à un niveau où l'institution est traversée par beaucoup de divisions, d'adversités internes. L'institution avait du mal à assumer son indépendance. Donc, c'est dans ce contexte-là que ce décès est intervenu. La mort du président de la CENI a donné lieu à plusieurs points de vue et des déclarations hors propos. Le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne se dit outré par cette posture entretenue, selon lui, par certains acteurs politiques. La réaction de certains de nos compatriotes a été une réaction qui m'a plus indigné. J'ai compris que certains Guinéens, malgré la religion, malgré la foi, trouvaient des motifs de soulagement ou des motifs de satisfaction quand un de nos compatriotes a été rappelé à Dieu. Ce que je peux demander à ces hommes politiques, tant que la haine, les rancœurs occuperont l'essentiel de la place dans leur cœur, leur esprit ne verra jamais le bon sens. Et Dieu ne leur permettra jamais de conduire les destins de ce pays. Maître Salifou Kébé est décédé à l'âge de 56 ans. Il était marié et père de 5 enfants.